La gare du Nord, une architecture hors du commun réalisée de mai 1861 jusqu'à sa mise en service dès 1864 par l'architecte français Jacques Hittor. Une façade organisée autour d'un arc de triomphe qui se caractérise par l'utilisation de gros blocs de pierre. Un bâtiment en forme de U. Ornées de 23 statues, les statues les plus majestueuses, celles qui couronnent l'édifice, illustrent les destinations internationales telles que Paris, Londres, Berlin, Varsovie, Amsterdam, Vienne, Bruxelles et bien d'autres. Tandis que les destinations nationales correspondent à des statues plus modestes posées sur la façade. Des colonnes qui reflètent l'étendue de la communication utilisée pour cette gare, puisque ces colonnes furent fabriquées en Écosse, seul pays où se trouvait une fonderie capable d'en faire d'aussi grosses. Une charpenterie qui allie fer et fonte. Face au développement du trafic ferroviaire dans les années 1884, elle a su s'adapter, ce qui a permis la naissance de 5 voies supplémentaires, une reconstruction et l'extension sur le côté est afin d'accueillir des lignes de banlieue. Cette gare évolua très rapidement comme pôle de communication avec d'autres extensions qui eurent lieu entre les années 1930 et 1960 avec le métro de Paris, la ligne 4 qui traverse Paris du nord au sud et le terminus de la ligne 5 qui passe près de la gare de Lyon. Dans les années 1930, la ligne 5 est étendue en direction de la banlieue. Une communication qui repousse les limites géographiques pour aller toujours de plus en plus loin avec en 1994 l'arrivée des trains Eurostar.